justement sur la dimension de problème. C'est pas dans tout, bien sûr. Des diplômes à la vision des compétences. Un étudiant, je dois peut-être penser à lui donner des compétences plutôt qu'un diplôme. Quand je vais former quelqu'un qui va travailler dans l'informatique, quelles sont les compétences du numérique que l'étudiant doit avoir à la suite? Parce que, et comment lui inculquer cette culture? Comme les sciences, la technologie, les technologies évoluent, l'étudiant doit s'inscrire lui-même dans les neurones internes, il doit s'inscrire dans cette vision de formation. Les compétences numériques, on les formé, c'est les étudiants de chimie, c'est les étudiants de l'architecture, de l'économie, etc. Il y a des compétences. Donc la vision. Les enseignements, la pédagogie, la vision en termes de pratique de la recherche, de quel type de résultats on recherche, on souhaite atteindre, etc. Quel type de vision dans la gouvernance, l'identité. Nous avons la chance d'être dans un projet international. Nous ne pouvons pas prétendre rester sur le gouvernement ordinairement. Pour le chien qui m'a montré qu'on soit dans une vision partagée, qu'on soit lisible, qu'on soit visible, principalement quand je vais nous dire au fond de mon association. Nous avons la chance d'être dans ce projet. Il faut en profiter, évidemment. L'université va en tirer profit. Et comme nous nous sommes engagés, moi j'ai dit à M. le secteur, pour les appuyer à nous, pour le travail qui reste. Nous nous sommes engagés, il faut qu'on soit engagés. Il faut que l'on réalise ce qu'on s'est engagé à réaliser. Mais je parle du projet d'établissement parce qu'en dehors de l'Hexagone, qui nous donne du club beaucoup plus là, l'énergie, c'est un peu ça. On a une vague, on sort sur la vague, on tire notre énergie. De ce qui se fait dans le projet et ailleurs. Mais nous avons notre propre projet. Dana, à l'université, à l'UFAS. Oui, en plus des webinaires, il y a la plateforme de l'État des formations. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, docteur Ali Khojanadir. Responsable assurance qualité et membre du comité de pilotage du projet ESAGO au sein de l'UFAS, Université Farhat Abbas, CITIF 1. Donc, l'Université Farhat Abbas organise donc des ateliers de restitution le 24, le 25 et le 26 mai 2022. Ces ateliers donc, s'inscrivent dans ce qu'on appelle le projet ESAGO. ESAGO, c'est-à-dire l'enseignement supérieur algérien à l'heure de la gouvernance. L'objectif du projet, c'est que l'université en général, l'université en Algérie, est dans une phase de transition. Une phase de transition, c'est-à-dire qu'on passe d'université qui était administrée, gérée, on va aller vers des universités où il y a du management, de la gestion pluriannuelle, un management de projet. C'est-à-dire, en d'autres termes, que chaque université doit se doter d'un projet, ce qu'on appelle un projet d'établissement. Et justement, ce projet, ESAGOV, prédétermine et organise et coordonne des actions dans le but de doter les partenaires, les universités algériennes partenaires, d'un projet d'établissement. On a dans ce projet-là 12 établissements donc nationaux, dont l'Université Farhat Abbas est membre. Durant le déroulement de ce projet, donc, il y a une formation, disons, pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été formés avant, et aujourd'hui, donc,
ces gens-là sont en train de former d'autres collègues à leur tour pour avoir donc une base, une assise au sein de l'université Farhat Abbas. Cette assise, bien ces personnes seront donc le groupe qui va aider donc à la rédaction ou bien à la révision du projet de l'établissement. Et donc en finalité, donc ce groupe-là sera donc un investissement très important pour l'université Farhat Abbas, pour la doter d'un projet d'établissement pluriannuel qui sera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la base d'une gestion et d'une gouvernance donc cohérente et d'avenir.